Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous allez super bien, que vous allez très très bien. Pour ma part ça va extrêmement bien, on se retrouve donc à Rosalia pour ce 24e épisode de la série. Et avant toute chose, j'ai un peu XP, enfin vous allez me dire. Donc vous le voyez, mes 4 Pokémon sont à assez haut niveau quand même. Xatu a pas mal évolué, je crois qu'il était niveau 30. Azumarill il a atteint les niveaux 40, donc il était temps. Et Pharan Petit Flosion, c'est toujours 48 et 42. Et Evoli surtout a pris 8 niveaux. Et en parlant d'Evoli, on va tout de suite, les amis, on va tout de suite lui mettre eh bien, quelque chose de très sympa, parce qu'il est temps, mine de rien. Je sais plus si c'est dans le médicament. Ça doit être dans le médicament. Alors attendez. Je crois que c'est dans le médicament. On va lui mettre le super bonbon, comme ça, il va pouvoir évoluer. Voilà les amis, on va enfin avoir notre Noctalie, parce qu'il était temps. Après 24 épisodes, ça fait depuis au moins le 16e qu'il cherche à évoluer, donc ça fait 8 épisodes hein, qu'il cherche à évoluer, et nous avons enfin notre Noctalie les amis, donc ça change sur le layout. C'est nickel, après 24 épisodes, nous l'avons enfin. Bon, ça c'est fait, faut que je retourne quand même dans le centre Pokémon, parce que, à la base, que je vous explique, j'avais attrapé un Fampi en off. Sauf que, en regardant un peu mieux, j'ai vu qu'on pouvait directement attraper Donphan. Et donc du coup, je vais pas enlever son objet. Si, je vais enlever. Ah, multi-exp, voilà, c'est bon. Hop, oui. Donc on va prendre le multi-exp, et surtout... Eh bien, Donphan, il peut avoir des putains d'attaques, genre Crofeu, des trucs comme ça, directement, si on l'attrape dans la nature, au lieu de faire évoluer Fampi. Du coup, je pense que c'est beaucoup mieux d'attraper un Donphan sur la route victoire, ce qu'on va faire. Voilà, voilà. Et donc, du coup, on va mettre le multi-exp, on va le mettre... on va continuer à le mettre à notre cher Evoli. Et on a Petitard qui est toujours là pour tout ce qui est ses esclaves, et puis voilà. Donc, on est parti pour la tour Cendré, me semble-t-il, ou la tour Carillon, je me rappelle plus. Je crois que c'est la tour Carillon. On est donc parti, c'est ici. Parce que la dernière fois, si vous vous rappelez bien, nous avions donc affronté les 5 prêtresses, que nous avions battues non sans difficulté, hein. Et en affrontant ces 5 prêtresses, elles avaient dit que la prophétie était sur le point d'arriver. Et qu'il fallait donc les rejoindre à la tour Carillon. Voilà, c'est ça. Et je suis en train de bailler. Et pourtant, il n'est pas 20h et plus. Enfin, il n'est pas 18h et plus comme on pourrait le penser. Il est juste midi. C'est juste que je viens de me réveiller. J'aime bien la musique. J'annonce, j'aime la musique. C'est... Ah, l'arc-en-ciel qui commence à briller. Nickel. Eh bien, on est parti, du coup, pour la tour Carillon. Ça ressemble un peu à la tour Chitiflore. Dans le décor, enfin, je veux dire. Et donc, il y a des Fantominus. Bon, ils sont pas très puissants, donc ça va. J'ai un peu baissé le son pour moi. Parce que je ne m'entends plus parler. Bah oui, du coup, c'est vrai que tu sers à rien, toi. Ouais, Picor, ça devrait le terminer. Bon, en tout cas, les amis, je suis content de revenir sur ce Let's Play, parce que pour moi, ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas tourné, je crois. Que 2 ou 3 semaines que j'ai pas tourné, j'avais pris pas mal d'épisodes d'avance. Et là, je tourne le jour même où je dois sortir l'épisode, et ce qui me fait stresser, c'est que je vois 20h21 marqué, alors que je sais pertinemment qu'il est midi et que l'épisode doit sortir pour 17h, donc y a pas de souci. Ah! Il y a des énigmes. On va commencer par la droite. Et on va voir ce que ça donne. Ah, il y avait un objet ici. Ok. Bon. On va aller prendre l'objet. Hein. Puis on va voir ce que ça va donner. Il y avait juste un total soin. Ok, mais c'est toujours ça de prix. Donc prenons-le. Ok, donc cette fois-ci, on est reparti. Je mets pas de repousse parce que apparemment ils sont pas trop agressifs les Pokémon sauvages. Et puis bon, on a 15 niveaux de plus quoi, donc ça sert pas à grand chose.
J'ai vérifié quand même que j'ai bien lancé Audacity. Oui, j'ai lancé Audacity. J'ai flippé pendant une demi-seconde quand même. Je me suis dit, merde, attends, ça se trouve, je l'ai pas lancé. Ça se trouve, je pars dans le vide. Ok. Ça, c'est fait. C'est nickel. C'est bizarre d'avoir marqué Noctali alors que bon, toute ma phase d'XP c'était oui, Evoli, Evoli, Evoli. À chaque fois je devais bien faire gaffe à bien appuyer sur B pendant la. Merde. Comment on passe? Ah, c'était ici. Génial le poteau en plein milieu qui nous permet pas de voir. Super bien fait. Ah, nickel, ça bug. Bon, on se retrouve tout de suite. Alors, du coup, ça avait bugué. On va commencer par là, on va voir. Donc ici il y avait un objet, ici un objet, et ici on peut monter. On va explorer toute la salle quand même, hein. On n'est pas des rustres. Alors je préviens tout de suite, je vais pas chercher à capturer au à l'hyperball, hein. Je vais balancer Master Ball et puis voilà, quoi, parce que... C'est pas qu'on a autre chose à foutre, mais on a quand même autre chose à foutre. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est tout. C'était qu'on faisait comme ça, c'est tout, voilà. Bon du coup... On a fini avec Phantominus. Il y a pas mal d'objets hein, quand même. PP+. Ah, ça m'intéresse. C'est intéressant. Bon. Oui. Alors, oui, ok. Donc, c'est juste un S, en fait. T'as juste à suivre le chemin. Quoi. Ok, nickel. Il va y avoir plusieurs échelles. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on va encore plus galérer. Non, mais c'est parfait. Hein, y a pas de soucis, hein. Alors, Xatu, hop. Mais en fait, si on fait ballon, c'est super efficace. Voilà. Parce que spectre contre spectre, c'est super efficace, j'avais oublié. J'avais oublié, tout simplement. Bon. Bon, évidemment, ça nous augmente pas trop. Hein. Je sais pas si je mettrais pas une repousse, en fait. Parce que, bon, 15 niveaux d'écart, ça t'augmente de que dalle. Est-ce que j'en ai, surtout? Est-ce que j'en ai? Je n'en ai pas. Bon, voilà, qui résout le problème. Ça doit pas être dans médicaments sur tout ça en fait. Eh oui. Ah j'en ai qu'une, nickel. Bon, pour 200 pas on est tranquille. Après les gars, je vous garantis rien. J'aurais peut-être mettre la rune sort devant. Si j'en ai une, je sais pas. Ou rune purif, je sais plus laquelle c'est. Ok, donc on a 4 échelles. C'est nickel les gars. C'est vraiment nickel. On va d'abord aller chercher l'autre objet là qui est là-bas. C'est trop, on va avoir une CT, un truc comme ça, tu sais. C'était donc pas comme ça. Très bien. Je me suis fait avoir. Ok. Alors, cette fois-ci, on va être bon, je pense. C'est ici. Et ensuite, direct ici, 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 ici. Voilà, on est bon. Bien, on va prendre la première échelle. Putain, les mecs, ils pouvaient pas faire des couloirs comme tout le monde. Donc, de toute évidence, ce n'est pas ici. Très bien. On va aller voir la deuxième échelle. Ok. Alors, tac. Alors, dans la deuxième échelle, ce n'est pas ici non plus. Très bien. Donc, être la troisième échelle. Sinon, je vois pas. Hein. Sincèrement, j'ai dû louper un truc sinon. Mais je pense que ça va être celle-là. Oui! Très bien. Donc là, on n'a qu'un seul chemin, on est d'accord. Là, par contre, on en a deux. Je vais d'abord aller par là. Hein. Donc ça mène au même endroit. C'est pas vraiment un choix. Hop. Et là, donc, la fameuse échelle qu'on doit prendre, c'est celle-ci. Bon, on va retourner en bas, hein. Pas de soucis. Fait de repousse d'ici, putain, déjà. Oh, chien. Bon, c'est pas grave. C'est le jeu, hein. C'est comme ça. On va se reprendre tous les autres Pokémon. Je vais regarder si on n'a pas une rune purif, parce que sinon, je pense que ça va me faire chier. Très bien, nous n'avons pas de rune purif, au moins, c'est clair. Hop. Voilà qui est fait. Et non, merde, c'est pas le bon, en plus. Au combat. Allez, on est reparti. Alors, tour Carillon. Hop. J'aime bien, c'est des petites énigmes sympas, pas trop compliquées, pas trop chiantes.
Donc ça passe, franchement. On est content. On est content. C'est directement là. Et hop, et on passe. J'hésite. Je crois que c'est... Ah, je sais pas, je pense que c'est là. C'était pas là, putain. Ah, fais chier, j'étais... Je savais, putain. Bon, on est reparti. En plus de ça, j'ai mal à la gorge. C'est absolument génial, je vais éteindre mon micro 2 secondes. Je pense qu'on est bon. Allez. On va fuir, hein, du coup, parce que bon, faut pas déconner. Peut-être courir un peu. Je pense que ça augmente. Il me semble que ça augmente la fréquence de Pokémon, mais en même temps, tu cours plus vite. Donc, est-ce que ça augmente réellement la fréquence de Pokémon qui apparaît ou est-ce que c'est juste parce que tu cours? À ce moment-là, les amis. Ah, mais d'un, c'est chiant de se faire taper tout le chemin juste parce que tu t'es trompé. J'étais persuadé que c'était l'autre, mais j'ai suivi mon instinct premier. C'est pas grave. Enfin, après, vous pouvez vous dire que j'aurais choisi l'autre et c'était pas la bonne, j'aurais dit la même chose, quoi. Donc, bon. Mais sachez que je suis très honnête en vous le disant. Après, pensez ce que vous voulez. Bien! Cette fois-ci, les amis, normalement, il devrait pas y avoir de soucis. On a le bon chemin. Faut juste qu'on se gourre pas. Faut juste qu'on se prenne pas de Pokémon, quoi. Sinon, tout va bien. Bon, c'est le chemin de droite. C'est le chemin, enfin, du milieu, quoi, si vous préférez. S'il faut prendre ce chemin ici, 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 et là, c'est ici. Voilà! Bon! C'est pas si compliqué que ça, quand même, Arthur. Bien. On en est là. Il y a des ponts. Ok. Potion max, pourquoi pas. C'est pas comme si on allait en avoir besoin contre O, mais... Je rappelle, je le capture à la Master Ball. Je me fais pas chier. Ok, donc il y avait un objet par ici. Ah, super. Bon! Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci, Ratata? Allez, au revoir. Il n'y a pas de Pokémon intéressant ici. Enfin, surtout de la 2G, quoi. Il n'y a que des Pokémon de la première génération. Donc, bon. À la limite, on aurait été en première G. Un ectoplasma, si tu peux l'avoir sans échange. Je dis pas. Sauf que là, déjà, il faut un échange. Bien! C'est quoi ça? What? Il y a des téléporteurs! Très bien, d'accord. Eh ben, on va visiter d'abord, hein, si vous le permettez. Voilà. Rappel max. Merci. Hop. Putain, il y a des téléporteurs de partout, c'est quoi cette merde? Bon, attendez. On va regarder ça tranquillement. Putain, trop de téléporteurs. On va fouiller cet étage, hein, d'abord. Va regarder ça. Doudoudoudou. Doudoudoudoudou. Allez. PV plus, nickel. Allez, ça c'est fait. Putain, je suis paumé là. C'est nickel, je suis paumé. Je sais pas où on est. Je suis les téléporteurs dans l'ordre où ils arrivent. Hein. Pire, on n'aura pas tous les objets, c'est pas grave. Oh my god, on y est. C'est exact, c'est ici que nous allons accueillir Ho-Oh. Quand le glas transparent que nous t'avons confié entrera en résonance avec cette danse que nous avons répétée chaque jour pour ce moment, alors Ho-Oh qui danse dans le ciel reviendra voler parmi nous. Oh my god! Oh my god! On y est. On va jouer Ho-Oh, les amis, le combat va durer 3 secondes. Enfin, on va quand même écouter la musique parce que j'adore les musiques des légendaires. Oh.
N'empêche que c'est tellement stylé. Oh oui! Oh oui, mesdames et messieurs. Le voici, le Pokémon solaire, en pleine nuit. Nickel. Non, je rigole. Je rigole, je ne me moque pas. Oh, et qui est ultra stylé. Cet être n'est nul autre que Ho-Oh, le protecteur de ces cieux. Vénéré depuis des temps reculés, innombrables furent ceux qui tentèrent en vain d'arriver jusque-là. Mais ton cœur, jeune Arthur, a résonné avec le glas transparent, et il est venu. Regarde, jeune Arthur. Ho-Oh semble, il semble qu'il attendait ta venue. La venue d'un être tel que toi. Bon! Fait combien de temps d'épisode? Je vais pas vous laisser là, ça fait 16 minutes. C'est bon. De toute façon, je vous laisserai pas sur un légendaire comme ça. On commencerait pas sur un légendaire, surtout, ce serait vachement bizarre. Bon. Ben, les amis, on est parti. Et vu que je suis quelqu'un d'extrêmement incorrigible, nous allons essayer de le capturer à l'Hyper Ball. Je dis bien, nous allons essayer. Parce que ce mec est quand même niveau 45. On a un seul Pokémon qui peut lui faire face. Et la musique est quand même ultra stylée. Je tiens à le signaler. Ceci étant dit, on est parti. Oh le bâtard. Bon sang, hein. Il commence très très fort. Oh! On lui fait rien. On lui fait rien du tout. Bon. 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 Est-ce qu'on n'est pas dans la merde? Zénith, génial. Tu vas pouvoir me faire des lance-soleil, des surchauffes à gogo. Comme tu veux. C'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Feu sacré, nickel. Comme ça, ces attaques feu, elles vont doubler de puissance. On est très content. Je sais même pas si c'est le cas en plus. Putain, il fait tellement que dalle. Bon, je rappelle, on va essayer, hein. Si je vois qu'il y a un risque de le tuer, je prends pas le risque. Je rappelle, j'y vais à l'Hyper Ball. Et puis, si jamais, j'y vais à la Master Ball. Voilà, je prends pas de risque. Déflagration, nickel. Ah, t'as raté. Bon, attendez, parce que... Pour l'instant, on s'en sort, mais on s'en sort pas bien. C'est-à-dire que bah, on est en train de le mettre mal avec Jukzatu. Mais faut faire gaffe quand même, parce que derrière, on n'aura pas la technique du vol comme ça pour essayer d'avoir seulement une attaque sur deux et parier sur le fait qu'il fera Zénith, quoi. Ok, bon là normalement Jukzatu meurt. Ou pas loin. 5 PV, très bien. C'est suffisant. On va encore l'affaiblir un peu. J'espère qu'on va pas le tuer. J'ai même pas save avant. Vous imaginez? J'ai pas save. Du coup, si on le tue, on le tue, quoi. C'est... Ouais. Ok, on est dans le rouge. Très bien. Et ben, on va pouvoir commencer à essayer de le capturer. J'y crois peu, hein. J'y crois très très peu, les amis. On se le dise. Si là je gagne. Voilà, bon. On est d'accord. On lui fait rien. Mais alors vraiment, pour le coup, on lui fait rien. Enfin, même pas elle bouge une fois, quoi. Alors, Noctali. J'espère que tu vas pas me le tuer. Mais une petite vive attaque serait pas de refus. Utilise un autre Pokémon. Noctali. On l'échange. Alors, la petite vive attaque, tu me la fais pas coup critique, s'il te plaît? T'es gentil. Voilà. Mon extra ascenseur, ça l'affecte pas. Allez, pas de coup critique. J'ai moyen encore d'en placer une. Hein. Faut sacrer. Ah, le bâtard, ça fait mal, ça. Ah, bah oui, en même temps, il a 15 niveaux de plus, je suis con, moi. Allez, au revoir, Doctali. C'était gentil d'être passé.
Oui, bah évidemment qu'on va utiliser un autre Pokémon. On va envoyer Petit Art pour faire la transition et envoyer une autre Hyper Ball. Bien, 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 bien. Alors, bon, si t'as moyen de le placer. Ouais, non, pas déconner. Pas déconner non plus. J'ai essayé. Hein, ça coûte rien. Bien, maintenant qu'on en est là, on va passer aux choses sérieuses. On va envoyer Sifflosion. Au moins, on est sûr. On est certain. On va d'abord envoyer Azumarill, si vous le permettez. Puis, bah, je prendrai pas de risque. Je ne perdrai pas ce combat. Enfin, voilà, quoi. Dernier objet utilisé. Hyper Ball. La musique est vraiment stylée, par contre. Ça, c'est super. Allez, quoi. Bouge au moins une fois, s'il te plaît. Pour l'honneur. Et là, elle bouge trois fois d'un coup. Elle fait étoile, tu sais. Je suis content. Ou alors, tu fais un lancer critique. Extrasenseur. Ah, le bâtard, il fait mal. En même temps, c'est un Pokémon légendaire. Bon. Dernier objet utilisé. Hyper Ball. Je vais claquer toutes mes Hyper Ball alors que je dois encore attraper Donphan derrière. Ce qui ferait un peu chier. Oh oui. Oh, il a bougé une fois. C'est bon, l'honneur est sauf. L'honneur est sauf. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y a quand même deux attaques feu, hein. C'est pas ouf. Du coup, il y a déflagration, zénith, extrasenseur et feu sacré. Bon, eh ben on va essayer. On va essayer. On va essayer. Allez, attrape-le. Oui. Non. Allez. Putain, on s'en sort pas. On s'en sort pas. Et il nous fait mal en plus. Il nous fait super mal, les amis. Il nous fait super mal. Bon! On va bientôt perdre Azumarill. Ce qui est pas cool. Ce qui est vraiment pas cool. Oh putain, il bouge même pas le truc. Genre, il rentre, il ressort direct. Sans aucun problème. Oh putain, Azumarill qui part. Oh, on va utiliser un autre. Allez, Typhlosion. Typhlosion, je compte sur toi. C'est la mort, là. C'est vraiment la mort. On a plus Hyper Ball, les gars. Allez, nous faire extra-ascenseur, on va rien comprendre. Allez. Allez. Allez, ça passe. Ça passe pas. Génial. On a la Master Ball, hein. Ça me ferait chier, mais bon. Alors que depuis le début de l'épisode, le mec il dit ouais, on le fait à la Master, je me fais pas chier. Ouais, mais bon, pour le style quand même, c'est bien d'avoir à l'hyper. Allez! Mais non, mais sérieux quoi. Oh oh, fais pas ton. Hein. Il fait mal quand même, ce con, il fait mal. Tellement mal. Allez. Putain, ça peut passer, ça peut marcher, ça peut marcher deux. Non, même pas deux fois. Putain, ça passe même pas deux fois, quoi. Et on arrête pas de tenter, mais à force, les gars, ça va se terminer en master, hein. Parce que là, il nous reste quoi, 4-5 Hyper Ball. Il nous en reste 4, nous sommes 5. Il nous reste 5 Hyper Ball, sachant que le mec a pas bougé plus d'une fois dans l'Hyper Ball. Enfin, voilà, hein, ça passe pas, alors que je peux pas lui retirer plus de vie avec les Pokémon que j'ai. Je peux pas faire mieux, franchement, je peux vraiment pas faire mieux. À la limite, je peux l'endormir, mais même, enfin, j'ai jamais vu, c'est rare que ça résiste autant. Hein. Je me rappelle, 4G, j'ai déjà attrapé Palkia à la Super Bowl, quoi, donc bon. Enfin bon. On va encore essayer, hein. Et pour l'instant, on se fait un peu niquer. Ouais, 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 et bah écoutez, hein. Si Farum passe sous midlife, je balance la master. J'annonce. Et ça, il me fait un coup critique. T'es gras, tu balanceras pas ta master. Je suis un Pokémon libre, moi. Les droits des Pokémon, tu connais? Eh bah, les mettre dans la face. Allez, Farum. C'est parti. Non, je suis fou, moi. Oh. J'allais balancer une attaque. Hyper Ball! Allez, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Allez. Oh putain, sérieusement.
Il peut nous tuer. Faut faire attention. Attention. Allez. Allez, s'il te plaît, il en reste deux, quoi, je les ai toutes claquées. J'ai fait que ça de la partie. Non. Et la dernière, vous allez voir. La dernière balle. La dernière balle, c'est celle quand il croit le moins. Le pouvoir de la dernière balle. La dernière balle, de toute façon, ce sera la master, donc sans déconner. Putain. Quoi qu'il arrive, on l'attrape à la master, hein, je pense. Hein. Ouais, master ball. Ok, bon, tant pis. C'est pas grave. On aura tenté, hein. On aura tenté. Je vous ai dit, j'ai essayé de le faire avec panache. Ça n'a pas marché. Du coup, Master ball, mesdames et messieurs. J'ai claqué toutes mes balles. C'est pas grave. Bon, là, il n'y a pas trop de suspense. Voilà, merci. Oh oh, est attrapé. Nickel. Eh ben, on est bon. On est bon, on est bon. Les données de Oh oh sont ajoutées au Pokédex. C'est gentil. Les gens racontent qu'ils survolent le monde en permanence. Ok. Pokémon Arc-en-Ciel. Ah bah, c'est super gentil. Tu m'as fait dépenser 13 Hyper Ball plus ma Master Ball. Ah, c'est tout? Ah, c'est tout! Donc, maintenant, c'est genre. Ok, t'as capturé Oh, allez, casse-toi! Il y a genre pas de félicitations, enfin, pas plus de félicitations que ça. Bon, bah écoutez, les gars. Voilà. On se barre, hein. Et on va aller se soigner, tranquillou. Bon, je sais pas combien de temps l'épisode on en est, mais je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On va aller se soigner, puis on s'arrêtera là. Oh, nickel. Désolé, petit coup de téléphone. Alors, on s'arrêtera là juste après. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ma part, ça aura véritablement été le cas. Et puis, on va se retrouver la prochaine fois, eh bien, pour aller vers la route victoire, si ce n'est sur la route victoire. Peut-être que nous capturerons Donphan la prochaine fois, hein, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.